Eh bien, bonjour à tous, c'est Willy Gemma, bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Spécial Génère Expansion. Il faut savoir que le Willy est fatigué depuis la dernière vidéo, même si jamais il est toujours dans le même live. Pourquoi? Pourquoi? Il faut savoir que j'ai tenté un truc, que je me suis rendu compte à l'instant que c'était que de la merde. Vous vous rappelez de ce que j'ai fait la dernière fois? Attendez, le mieux c'est encore que je vous le montre, hein, comme ça vous allez vite comprendre à quel point je suis salé de ce que je viens de découvrir. Non, vraiment. Tac tac tac, porte de sortie, 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 porte de sortie. Aïe, mur. Ça c'est pas grave. Ah merde, c'est pas une porte de sortie ça. Je crois que des portes de sortie il y en a dans le coin. Attendez. Oui, c'est ça, il y a des portes de sortie un peu partout là, vu qu'il n'est pas fini pour l'instant. Vous vous souvenez, lors du dernier épisode, j'avais fait ce genre de choses. J'avais fait ça là. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais copier le destiné sur une autre partie. Je vais prendre juste cette partie-là. Je vais la calquer là-bas, comme ça, les nanites, pendant que je ferai mon épisode, elles vont me construire ça. Eh oui, sauf que moi, gros trou du cul que je suis, j'avais pas pensé que entre là-bas et ici, bah c'est pas du tout pareil, étant donné qu'ici c'est inversé par rapport à là-bas. Donc le Willy s'est fait baiser, le Willy le fera, mais il le fera certainement dans le prochain live parce que mes couilles. Le Willy on a un peu marre, le Willy se tape une migraine, une jolie petite migraine des familles parce que le Willy a testé. Eh oui, le Willy a testé durant le live, donc venez voir la rediff si jamais vous voulez voir. Le Willy a testé durant le live le destiné. Est-ce qu'il supporte la gravité terrestre selon vous? Eh ben je vous le dirai pas. Je vous le dirai pas, vous n'avez qu'à venir voir la rediff pour en avoir le cœur net. Le Willy a également testé la propulsion VSL sur le destiné. Est-ce que le destiné peut voyager à 50 km seconde et se servir du pont? Et se servir du pont qui monte, qui descend, tout ça. Est-ce que le vaisseau tient le coup? Eh ben, je vous en prie, allez voir la rediffusion du live et vous verrez ce qu'il en est. Le Willy a fait beaucoup de tests avec le Destiné et les tests, je ne vous dirai pas comment ils sont. Allez voir la rediffusion, bordel de merde. Donc voilà, je ne vous dirai absolument rien. Allez voir la rediff. Je sais, c'est une rediffusion qui va certainement durer 7 heures. C'est comme ça, j'y peux. Enfin, si, j'y pourrais quelque chose en vérité, mais. Voilà, allez voir la rediff. Si jamais vous voulez, demandez-moi sur Discord et potentiellement je vous donnerai peut-être un timecode. Peut-être, pour que vous voyez où est-ce que j'ai testé à peu près les choses. Mais sinon, allez voir la rediff et vous saurez un petit peu ce qu'il en est. Spoiler, pas de spoiler. Comme ça, au moins, c'est clair. Très chers amis, aujourd'hui, ce qu'on va faire, et ça va être une partie extrêmement délicate. En fait, je vous explique. J'ai dans l'idée de me compliquer la vie à une manière extrême. En fait, comme vous le savez, probablement dans la série, le Destiné fonctionne sur batterie. Il fonctionne sur batterie, en fait, il se recharge les batteries dans les soleils qu'il croise. Le souci, c'est que moi, dans Space NJ, c'est même. Ouh la vache, c'est même pas la peine que je pense à essayer de faire ça. Tout simplement parce que déjà, il n'y a pas de soleil. Enfin, il y en a un, mais en fait, c'est la Skybox, donc c'est de la merde. Et surtout, les panneaux solaires dans Space NJ, n'en parlons même pas, ils fournissent même pas assez de puissance pour 3 lumières et un micro-ondes. Donc, pour le coup, c'est la merde. Donc, du coup, je me suis rabattu sur une solution, entre guillemets, ingénieuse, si je puis dire. C'est que les batteries, déjà, je vais en avoir énormément parce que je voulais aussi voir la consommation du destiné à 50 km seconde. C'est une tuerie. C'est une tuerie. On parle là de plus de 40 gigawatts de puissance. Imaginez tout ça pompé sur des batteries, les gars. Ça va être quelque chose de colossal. Ensuite, le Willy s'est demandé, ces batteries, comment est-ce que je vais les recharger une fois qu'elles seront vides? Et le Willy s'est souvenu qu'il avait de l'hydrogène, normalement, à disposition. Donc du coup, le Willy s'est dit qu'il lui faudrait de la glace stockée là-dedans, qu'ensuite la glace va là-dedans, afin de me créer de l'hydrogène. L'hydrogène sera utilisé par ce joli petit moteur à hydrogène qui est ici, afin de me recharger les batteries, ce qui me permettrait de continuer mon voyage. Alors vous allez me dire, oui, mais Willy, pourquoi est-ce que tu te compliques la vie? Tu pourrais aussi bien mettre un générateur au deutérium, tout ça, tout ça. Alors, je pourrais, certes.
Le problème là-dedans, c'est que le générateur d'Ethereum, c'est un mode. Alors, si jamais vous voulez mettre le Destiny sur votre monde et que vous voulez faire ça, faites comme bon vous semble. Moi, pour ma part, j'ai décidé de construire le Destiny en vanilla, souvenez-vous. Et oui, alors le Destiny en vanilla, vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, tu peux mettre des générateurs d'uranium, tout ça. Alors oui, l'autre petit problème là-dedans, c'est que l'uranium est sensiblement plus compliqué à trouver que la glace. La glace, il y en a partout dans l'univers. Enfin, dans l'univers de Space NJ, en tout cas. Alors que, ben, croyez-le, croyez-le pas, mais l'uranium, c'est un peu plus compliqué à trouver, il paraît, hein? Donc pour le coup, le Willy a en tête de mettre entre 3 et 4 000. Combien? Vous avez bien entendu, entre 3 et 4 000 batteries, de manière à ce que le vaisseau ait la puissance nécessaire pour effectuer un saut VSL. Alors, le mode, ça s'appelle pas vraiment vitesse pour l'unique, mais moi j'appelle ça un saut VSL parce que Osef. Je sais pas si vous imaginez, les gars. Mon vaisseau, ça va devenir une fourmilière. Surtout qu'en plus, il va falloir que je rajoute des propulseurs, parce que les propulseurs que j'ai actuellement, c'est bien beau, mais plus je rajoute de machines, plus le bordel est lourd. Et donc, plus le bordel est lourd, plus forcément il lui faut de propulseurs pour avancer, reculer, monter, descendre, etc. Donc, le Willy va faire une dépression. Alors, le Willy va faire une dépression, mais une dépression dans les règles. À savoir que je pense que je vais mettre à peu près 4 000 batteries. Et je m'explique. Afin de répartir les charges équitablement, même si le jeu n'a absolument rien à branler, moi c'est pas mon cas. Des fois que le jeu soit optimisé un jour, on sait pas. Je vais faire de part et d'autre une immense. En fait, ça va être un immense cube. Un immense cube de batterie de 20 de longueur par 10 de largeur par 10 de hauteur. Ce qui nous fera aux alentours de 2 000 batteries si jamais je raconte pas de conneries. Je ferai exactement la même de ce côté-là. Et donc tout ceci sera bien évidemment autonome étant donné qu'on n'a pas de câble dans Space NJ pour relier ça à quoi que ce soit. Je peux les mettre un petit peu où je veux, ça me dérange pas. Le truc là-dedans, c'est que il va falloir donc que je mette des moteurs à hydrogène de chaque côté. Et donc forcément que j'accroisse ma réserve d'hydrogène en quantité démentielle. Parce que pour le coup, parce que pour le coup, bah, je vous rappelle que ma propulsion est également à hydrogène. Donc si jamais je veux pouvoir me déplacer, il me faut de l'hydrogène en supplément en plus des moteurs. Sans compter que je me suis rendu compte en faisant mon test en créatif que je manquais sensiblement de gyroscope. Donc gyroscope également en renfort. Mais quand je dis en renfort, il va m'en falloir 4 ou 5 fois plus, hein. 4 ou 5 fois plus, je vous rappelle combien j'en ai actuellement. Allez, juste pour que vous fassiez les cauchemars. Fassiez les cauchemars. Gyroscope, j'en ai actuellement 722. Et je me suis rendu compte que le Destiny peut manœuvrer, hein, c'est pas le problème. Mais pour faire un demi-tour, faut bien une demi-heure, quoi. Donc, bon. Je dois vous dire à quel point je suis dépité, là, ou pas. Mais cela dit, le test en créatif, donc sur mon autre partie, était absolument nécessaire. Ça m'a permis de me rendre compte de certaines failles qu'il y avait ces failles-là, c'est gyroscope, énergie, et tout le tintouin et tout le toutim. Donc, bon. Je dois vous dire que je m'attendais pas à ça en me levant ce matin, mais quand il faut, il faut. Donc, on va commencer tout de suite, ça fait déjà 10 minutes que je parle et j'ai absolument rien branlé, c'est une catastrophe. Du coup, alors attendez, tac. Comme je vous ai dit, on va essayer de respecter un petit peu les centres, enfin les masses, tout ça. Alors même si bon, je suis pas clairement au centre du vaisseau, mais ça je m'en balance. C'est juste surtout au niveau des ailes qu'il faut impérativement que je me fasse une idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parfait. Donc ça, c'est bon. Ce qui fait que là, pour le coup, hop.
tac, tac, tac. Je peux effacer tout ceci normalement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc là normalement j'ai une ligne de 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Magnifique. Maintenant cette ligne de 20. Oh non, de Dieu, ça fait tout ça. Oh. Oh merde. Oh, je m'attendais pas à ce que ce soit, aussi massif, je vous avoue. Mais de toute manière, j'ai de la place. Donc, donc à faire, c'est à destiner, hein, je veux dire, autant à un moment, autant être dans la démesure à un niveau cosmique. Hein, les nids vont mettre 3 ans à tout souder. Ouais, ça c'est possible. C'est pas grave, on a le temps. Hein. Donc là, j'ai 20. Ensuite, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Voilà. Voilà mon carré. Et ça, ce sera des batteries sur, hein. Sur cette hauteur-là. C'est bon pour vous? Si c'est pas bon, vous me le dites, hein, je rajoute une petite couche, ça devrait bien se passer, vous inquiétez pas. Le problème qui se pose à moi, c'est qu'à terme, vraiment, et ça j'en ai un peu peur, le problème qui se pose à moi, c'est vraiment qu'à terme, j'ai peur que le Destiny ne soit plus du tout pilotable, parce que le jeu va clairement péter un câble. J'ai vraiment peur de ça, je vous le dis. Donc je sais pas du tout comment ça se passera, et pour ça j'espère vraiment que le Destiny va continuer à être manœuvrable, vraiment. Mais bon, ça malheureusement on verra. J'ai pas moyen de le savoir, hein. J'ai pas moyen de le savoir avant de le faire, donc pour le coup... Mais par contre, je vous préviens, il vous faudra une machine de guerre pour le faire tourner le jeu. Et puis pas qu'un peu là, parce que là, avec le vaisseau là... Bon, je vous le dis, ça va chier. 2, 3, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Putain, j'en suis à faire ça de ma vie, quoi. Vraiment. Vraiment, j'en suis à ce point-là dans la dépression que je fais des choses... c'est le plus gros vaisseau du jeu, hein, clairement. Voilà, j'ai fait 10, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, parfait. Là, clairement, à mon avis, là, ce que je suis en train de faire, c'est le plus gros vaisseau du workshop. Mais fonctionnel en mode survie et tout, attention. Hein. Une petite question innocente, le poids des batteries risque de poser problème sur une planète quelconque? Oui, absolument, Trini. C'est pour ça que je vais rajouter beaucoup de propulseurs. Tu as absolument raison. Oui, j'y ai pensé, je te rassure. Oui, je vais mettre énormément de propulseurs, mais en fait, la majorité des propulseurs que je vais rajouter seront vraiment dans le vaisseau. A savoir que, tu vois, j'ai quand même une immense quantité de place. Donc oui, j'y mettrai des propulseurs de manière à soulever ce poids supplémentaire. Ça, c'est totalement... voilà, quoi. Soulever le problème avec le poids des batteries, des ressources et de la gaz. Ouais, c'est malheureux, ouais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors, normalement, je vous le demande jamais, même si jamais je mets le petit message en début de vidéo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de poser votre plus gros pouce bleu, ainsi que de vous abonner à la chaîne, pour avoir des choses toujours plus dingues, s'il vous plaît. Vraiment, à mon avis, là, ça mérite. Hein. Je le demande jamais, mais là, je trouve quand même que ça mérite pas mal. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur de calcul, parce que c'est censé être ici. Normalement, je vous le demande jamais, même si jamais je mets le petit truc en début de vidéo depuis peu, hein, je le mets pas depuis tout le temps. Mais je vous demanderai, s'il vous plaît, pour cet immense projet, abonnez-vous et lâchez votre meilleur pouce bleu, parce que franchement, je veux dire, je me fais quand même chier à faire un truc d'exception. Alors, si jamais je pouvais voir que ça vous plaît, j'apprécierais. Mais bon, ça, après, ça sera si jamais vous voulez, hein. Si jamais vous voulez pas, bah écoutez, tant pis, mais si jamais vous voulez, j'en serais plus que ravi. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, si, c'est ça, je m'étais bel et bien planté.
Ok, bon, alors on va construire le premier palier des batteries, hein. Donc on y est après tout, pour bien le faire de toute manière. Une batterie. Quel est bec. Une petite batterie. Non, 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 tu rigoles, la grosse. Tout de suite, la grosse. J'ai assez de. Oh, 364, ouais, j'aurai assez pour rien du tout en vérité, mais on va dire que j'aurai assez, hein. Tac, alors attendez, juste. Voilà, je veux que ce soit comme ça, moi. Hop. Je me demande si en fait un projecteur avec un tas de batteries, ce serait pas plus simple. Quand on y pense. Enfin bref, moi je dis ça après. Tac. Attendez, mais. Attends, comment est-ce que je les ai postées là, les batteries? Là, elles sont comme ça, donc là, c'est sur le côté. Ok. 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 Hop. De YouTube, c'est que le principe des deux mains, tu peux mettre qu'un seul pouce bleu. Ah bah oui, mais ça malheureusement, ça c'est le problème de YouTube, ça. Et moi, ça j'y peux rien. Oui, parce que le but, c'est quand même pas que le destiné soit totalement. Pardon. Excusez-moi, puis-je vous aider? Bon, tout va bien. Disais-je, le but, c'est pas que le destiné soit totalement opérationnel, qu'il puisse tout le temps être au max. Non, comme dans la série, je veux respecter au maximum la série, à savoir que des fois, il y a des trucs où le destiné peut pas avancer parce qu'il manque un truc, patati et patata. Puis même le fait de devoir m'arrêter, ça donne lieu aussi à des batailles spatiales. Parce qu'à 50 km/s, des batailles spatiales, il n'y en aura pas tellement, hein. Après, je peux toujours aller moins vite si je veux économiser l'énergie, bien sûr, ce que je ferai certainement. Parce que pour le coup, j'aurais une vraie contrainte. Mais pour le coup, vous comprenez bien que. Enfin. Je veux pas que tout soit toujours trop simple, quoi. À un moment, il me faut quand même un peu de challenge. Sinon, je fais comment, moi? Si jamais j'ai pas de challenge, ça marche pas, hein. Tac. Voilà, là on a déjà une petite quantité de batterie. Il me reste combien? 100. Oh mon dieu. On va faire la même de l'autre côté. Hein. Alors attendez, comment est-ce que j'avais fait mon truc moi? Là. Là c'était avec la barre au milieu. Oui, donc autant faire en sorte que ce soit la même. Hein. Hop. Si vous vous rendez bien compte à quel point je suis en train de péter un câble. Vraiment. Hein. J'espère que le. Oh bah. Vas-y, avance, Willy, je t'en prie. Vraiment, hein. J'espère que. Comment dire? J'espère que le jeu acceptera que le destiné soit quand même manipulable. Hein, parce que si jamais il l'est pas, je vais l'avoir mauvaise, mais vraiment. Et longtemps. Mais bon, ça malheureusement on verra. Hein. Le pont sur piston et rotor, c'est déjà un gros challenge pour toi qui en a une sainte horreur. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. je vous jure. Tac, tac, tac. Hop. Allez, bah écoutez, on va refaire la même. Hein. J'aurais pas assez de plaques d'acier, je le sais, mais. C'est là que je me dis que le mode créatif est quand même vachement bien des fois. Ou alors le mode symétrie, putain. C'est quand que les développeurs ont prévu de mettre le mode symétrie en survie, rappelez-moi. Ah oui, c'est ça, jamais! Quand on fait des vaisseaux comme ça, on dirait qu'on n'a pas du tout besoin du mode symétrie. Bon, non, à quoi ça sert? Ça sert à rien, t'es fou, toi. Mode symétrie? C'est pour les nazes. Pour ceux qui savent pas jouer. Mais ouais, le jeu, à mon avis, il va péter un plomb. Le destiné ne sera pas du tout pilotable. Ce qui me fait chier, je vais être sincère, mais vraiment.
Je l'imagine bien comme ça, moi. Alors après, si jamais le destiné est pas pilotable, je me verrais contraint de me rabattre sur les autres systèmes énergétiques que j'ai. Mais bon, ça me fait chier, quoi. Clairement. Parce que c'est sûr que si jamais je mets que, admettons, parce que j'ai, parce que 4000 batteries, c'est pas dit au hasard, hein. Non, non, non. 4000 batteries, c'est pour quand même pouvoir faire un saut de plusieurs milliers de kilomètres sans trop de problèmes, tu vois. Parce que je vous rappelle que j'ai une distance qui est à 3 secondes lumière. Ça vous parle, ça? Oui, je vous rappelle que j'ai toujours mon point GPS des pirates à aller voir, hein. Voilà, le point GPS des pirates qui est à 3 secondes lumière de ma position actuelle. Autrement dit, même avec ça, il va me falloir des heures et des heures pour y aller, hein. Même à 50 km secondes, je vous garantis, hein. Donc, je fais pas ça pour rien, je vous garantis. Comment ça s'appelle? Plaque d'acier. Hop, ouais, vas-y, donne-moi un petit peu, ça devrait aller. Par contre, au niveau de la prod, faites-moi des batteries, s'il vous plaît. Genre beaucoup. Voilà. Faut que je leur demande au moins ça, parce que sinon, ça va pas le faire. Est-ce que j'ai assez? Attendez, je vais quand même aller voir si jamais j'ai assez, parce que je leur ai demandé de modder beaucoup, là. Bah, tu me diras, je leur ai demandé quoi? 5000 batteries, je crois. Donc, normalement. Ah, attendez. Au niveau du fer, j'ai. C'est quoi? C'est 3600 tonnes que j'ai? Fais voir ce que ça donne ici. Au niveau du fer. Donc là, ça c'est en kilos. Ouais. Au niveau du fer, j'ai assez. Au niveau du silicium, 68 000. Là, le silicium, j'en ai. Hein? Attends, 68 000? 68 000! Largement assez. Et le nickel, donc là c'est 68 tonnes, et là c'est 128 tonnes. Le nickel, ouais, c'est bon, j'ai largement assez aussi. Oui, heureusement, tout ceci est contenu dans la pierre, hein, je vous le rappelle, donc il me suffit juste d'aller miner un astéroïde ou deux, et je suis bon. Mais tout va bien, j'ai assez. Tout va bien, j'ai assez. Aïe, c'est pas grave, c'est la chose qui arrive. J'ai mal, mais je survivrai, je vous rassure. Donc là, les nanites sont en train de commencer à construire les batteries. Elles auront fini dans approximativement 50 ans. Je pense. Même si, bon, vous voyez qu'elles ont déjà commencé, hein, c'est pas vraiment ça le problème, mais. Alors là, pour le coup, c'est en train de se charger avec le générateur, c'est pas grave. Vraiment, là, c'est vraiment pas grave. Du fait que, de toute manière, si jamais ça avait pas été chargé avec le générateur, ça aurait été chargé dans ma base. Donc de toute manière, ça vraiment je m'en fais pas pour ça. Faut bien qu'elle soit chargée en premier lieu, hein, de toute manière, sinon ça fonctionne pas des masses. Hein. Ça me fait marrer parce que quelqu'un sur le chat me disait tout à l'heure Chouette alors, t'as testé avec les batteries, maintenant on testera avec des piles triple A, voir si jamais ça fonctionne. C'est là qu'on se dit qu'un O2PZ c'est quand même vachement classe, hein, et vachement pratique. Enfin bref. Tiens, retrouvé, il fait que 635 mètres de long, 266 millions de kilos pour 265 000 blocs. De quoi tu me parles, Antares? Qu'est-ce que tu me parles, Antares? J'ai pas tout compris, je t'avoue. Antares, tu me dis des choses, tu me fais presque peur. Hop, allez, go. Ouais, non, mais autant aller dans mon délire jusqu'au bout, hein, après tout. La, je suis en train de me rendre compte de ce que je suis en train de faire. Ouais, si jamais le destiné n'est plus manœuvrable, j'improviserai, mais pour le coup, j'aimerais vraiment essayer de faire coller le destiné au plus possible la série, de manière à ce que ce soit. Bah, pour que vous puissiez quand même voir des choses aussi, hein. Parce que je veux dire, à un moment, oula. À un moment, comment dire, me voir faire un voyage de 50 km par seconde pendant des heures et des heures sans rien faire, c'est un enfer! C'est un enfer, faut bien qu'il y ait des batailles spatiales, faut bien qu'il y ait quelque chose, quoi, merde.
En plus, là, avec le nouveau DLC qui va arriver concernant les armes laser, tout ça, j'ai hâte de voir ce que c'est, moi. Alors, je l'achèterai parce que je suis un pigeon et que je vous le montrerai, bien entendu. Mais moi, ce que j'espère surtout dans ce DLC, c'est que au-delà d'y ajouter des armes laser, j'espère vraiment, mais genre vraiment, qu'ils vont, comment dire, qu'ils vont rajouter des sources d'alimentation. Vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, ça. Alors, je rêve peut-être tout éveillé, hein, ça, je sais pas, mais j'aimerais vraiment. Pour alimenter des armes laser, hein. Bon, je veux dire, faut quand même. Mais ça, après, je rêve sans doute tout éveillé. Je... Mais de toute façon, j'en mettrai certaines sur le Destiny, ça c'est garanti. Tac, 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 tac. Bon, alors. Ça va bien se passer, on y croit. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Il faut être SM pour jouer SE. Il faut aimer l'USM pour jouer SE. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Mais bon, en même temps, SE sans challenge. Pas vraiment un jeu qui a de l'intérêt, tu vois, parce que tu peux même pas faire de grosses constructions sans que le jeu il plante. Alors, il faut du challenge. Mais si jamais le challenge doit me le créer, ben je me le crée, c'est pas un problème. Moi, ça me dérange pas de me créer du challenge simplement, il faut juste que le jeu suive, quoi. Ce serait vachement bien ça. Alors, attendez, si jamais on faisait un rapide calcul, s'il vous plaît. 20 par 10. 20 par 10, il me semble bien que ça fait 200. C'est ça, 20 par 10, ça fait 200. Oui, je crois. Hein. Donc là, j'en ai 400. Là, j'ai déjà 800 batteries, là. Alors, ouais, Benoît. Là, j'ai déjà 800 batteries, et laissez-moi vous dire que ça va pas du tout suffire. Mais vraiment pas du tout suffire. C'est malheureux, hein, mais... De toute façon, c'est simple, hein, il faut juste avoir. Les batteries, alors. Tac, 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 tac. 200, 300, 400, 500, 600, 700. Voilà, j'en suis à 804 batteries. Non, normalement, ça doit être 800 parce que j'ai dû en poser certaines, c'était foireux. Mais... vous espérez que je survive? Vraiment, genre? C'est bien les gars, c'est bien d'avoir de l'espoir. Si si, je vous jure. Enfin bref, très chers amis, j'espère que cette vidéo de Space Engineer vous aura plu. Je vous le redemande parce que je vous le demande jamais. S'il vous plaît, donnez-moi votre meilleur pouce bleu et votre meilleur abonnement pour cette série qui franchement, à mon avis, si jamais c'est pas une conclusion, ça devrait quand même être pas mal hein, au niveau des... Au niveau des, comment dire, bah au niveau des objectifs quand même, hein, parce que bon, quoi qu'on en dise, la saison 4, c'est la plus grosse saison que j'ai faite sur ma chaîne, toutes séries confondues, hein. Que ce soit Minecraft, que ce soit Ark, que ce soit tout, hein. C'est la plus grosse série que j'ai eue sur ma chaîne jusqu'à présent. Donc s'il vous plaît, je vous le redemande, parce que je suis un con, mais... votre meilleur pouce bleu, votre meilleur abonnement, s'il vous plaît, afin de me soutenir et surtout de m'éviter la folie. Parce que là, vraiment, à mon avis, folie, ça va y aller quand même un peu. Donc voilà, j'espère, très chers amis, que cet épisode de Space Engineer vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine. Mon Dieu.